Voilà. Donc vous avez 10 secondes au départ pour vous mettre en place. Premier exercice, ça va être ici. Je monte sur la marche, je descends, je remonte et je redescends de l'autre côté avec chaque fois un petit demi-squat ici. Soit les bras devant, soit les bras ici, croisés au niveau des mains. Attention, on va démarrer dans 10 secondes. 3, 2, 1, go. Allez, flexion, on remonte, flexion. Ça dure 25 secondes, donc on a le temps. On descend bien au niveau des jambes. Hop là, petit déséquilibre. J'ai un collègue qui aimerait bien me voir tomber. 3, 2, 1, stop. Ok, on va passer sur la partie abdominale avec les abdos rotateurs. Ici, position assise, on maintient déjà l'équilibre. Voilà, et là on va tourner à droite et à gauche. 3, 2, 1, go. Voilà, 25 secondes. Tranquillement, on commence à se positionner sur les exercices. Three, two, one, stop. Voilà. On va repartir sur le haut du corps, comme on l'avait vu tout à l'heure, avec flexion, ici éventuellement, ou pas. Juste la proprioception, où il y a une main qui monte. Three, two, moi je commence par one, la droite. Go. Allez. Dans les bras, fléchis. 3, 2, 1, stop. Ok. On relâche à nouveau. Ensuite, on va repasser sur les sauts-pieds joints, comme tout à l'heure. 3, 2, 1, go. Allez. On donne une bonne extension. À chaque fois, soit sur la marche d'escalier, soit au sol. Three, two, one, stop. Ok. Alors là, on va repasser à la partie lombaire. Cette fois-ci, on va travailler sur l'exercice de natation. Vous connaissez déjà. Three, two, one, ici. Go. On ne touche pas les mains au sol, battement de jambes, sans cambrer. Et là on maintient 25 secondes. Je suis déjà essoufflé. Three, two, one, stop. Ok. On va repartir sur le mouvement du haut. Avec, comme tout à l'heure, mais on va faire une petite flexion ici. 3, 2, 1, go. Allez, on monte, on descend, mais on fait une flexion. Normalement, c'est plus facile que de le faire avec les mêmes alignés. Si c'est trop dur, vous montez d'une marche ou de deux marches d'escalier pour incliner le corps. 3, 2, 1, stop. Voilà. On est tout en contrôle sur le premier tour. Ça, c'est important. On va faire la même chose après, soit sur une jambe ici, ou alors avec 3, 2, le rythme 1, qu'on go. A vu tout à l'heure. Attention à vos chevilles, soyez précis. Si vous avez un risque, faites-le au sol uniquement. Three, two, one,
Stop. Ok, on va passer de l'autre côté. La jambe qui est toute neuve. Si c'est trop dur, vous le faites au sol, comme ça. 3, 2, 1, go. Voilà, prenez le temps. Problème d'écran. 3, 2, 1, stop. On relâche. Avec cet ordinateur qui se met en veille. Ensuite, on va passer au rameur. Ici, position abdominale. 3, 2, 1, go. Voilà. Pareil, tout en contrôle. Stop. Ok, maintenant on va passer burpees ici, là, comme ça, ou sur une chaise ou sur un plan de travail ici. Voilà, tout le monde a ça chez soi. Moi je le fais ici. 2, 1, go. Ça chauffe. 3, 2, 1, stop. Ok. On va passer au petit pas. Les petits pas sur la marge d'escalier. 3, 2, 1, go. On va tranquillement, on récupère. Dernier tour, c'est 4 blocs. Three, two, one, stop. Ok, on passe au starfish. La fameuse étoile de mer. Là, on va venir ici. One, go. Avec toujours 2 points d'ancrage au sol. Mains et pieds. On va chercher la chaussure, jambes tendues, si possible. Three, two, one, stop. On va repartir sur le dernier. Avec des burpees, ici, là, 3, 2, 1, go. Allez. Vous n'êtes pas obligé de fléchir au niveau des bras. Vous pouvez le faire ici, si vous voulez. Vous gardez les bras tendus. Stop. Ok. On récupère. Petite boisson. Vous voyez que ça monte vite, hein. C'est 2, beaucoup plus one, go. Beaucoup plus cardio. Et donc quand c'est plus cardio, c'est un peu plus difficile. Voilà. Alors, je vais aller voir vos petits commentaires, sachant que le deuxième passage sera aménagé davantage. Là, ça donne un repère pour moi, le fait que vous commentiez sur éventuellement la difficulté ou la dangerosité des exercices. Donc voilà, je vous écoute.
Enfin, je vous lis. Je vous lis. Hiroshi Kano, welcome. Mr. Schneider, Monsieur Roux, Madame René, Roland, qui a loupé le premier. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur le premier passage, et auquel cas je pourrais aménager le deuxième passage un peu plus à votre goût, car tout est modifiable, aménageable. Welcome to every countries, Japan. I saw Japan. I saw Mongolia. I saw Scotland, Switzerland. I saw Italia too, and Spain, and Canada, and United States too. Welcome to the workout circuit. Because of COVID-19. Ok, on va récupérer encore un petit peu et puis on va redémarrer tranquillement. Je regarde si vous avez des petites choses à me communiquer. Apparemment pas. Bonjour à Cécile, toujours à fond, présente, c'est bien, bravo Cécile. Encore une fois, Athos est présent. Athos est présent. Silor, Athos. Mérieux Nutriscience, bonjour à tous, on se connaît bien. Et puis Énergie Éolienne de France, Aditech, Conférence des Bâtonniers et Groupe VMH aussi, VMH Immobilier. Bien, ben écoutez, on va redémarrer tranquillement, je vais aménager au fur et à mesure. Au lieu de faire 25 secondes, on va faire cette fois-ci 20 secondes. Qui sera un peu plus adapté, je pense. Alors, 20 secondes, vous avez gagné 10 secondes. Donc c'est bien. Je vais mettre suffisamment de rotation. Comme ça, on est sûr que le chrono ne va pas s'arrêter. J'ai oublié le petit reset. Voilà, on va démarrer. Squat demi-tour. Allez. 3, 2, 1, go. Allez. C'est 20 secondes, donc on peut donner un peu plus de rythme. Voilà, déjà 8 secondes encore. 10. On est à la moitié. Là, c'est facile. 3, 2, 1, stop. Ok, on passe aux abdos rotateurs. Là, avec la petite serviette des Jeux Olympiques de Londres, Teddy Riner, si tu nous regardes, Hugo Legrand, Cyril Marais, Sofiane Milous, Axel Pierre, 1, go. Bienvenue à l'équipe de France de judo, si elle est là. Alors pour eux, ça va être du pipi de chat, mais ce sont des parties, notamment musculaires, qui ne travaillent pas forcément. Donc ça fait partie de la prévention. 3, 2, 1, stop. Ok, allez, on passe sur la marche d'escalier ou au sol. Là, ça peut être ici. Ou sur le step. On commence par la main droite. Ici. 3, 2, 1, go. Voilà, on fléchit légèrement. Ok, hop là, on relâche, on va faire le petit demi-squat pieds joints, suivi de la natation, demi-squat, hop. On donne l'extension maximale. 2, 1, go. Allez, on accélère, pas de temps d'arrêt. Je vous rappelle que vous pouvez faire ça au sol. Sans l'escalier. 3, 2, 1, stop. Ok,
Ok, un petit peu de natation. Ici, on n'a pas d'eau, mais on a des rameurs, on a des piscines virtuelles. Là, ça sera bras de brasse, jambes de brasse. 2, 1, go. Allez, bras de brasse, jambes de crawl. Bras tendus au bout, jambes tendues. Three, two, one, stop. Ok. On repose tout ça. Et là, maintenant, on va faire un push-up de main. En décollé, mais avec la petite flexion. Three, two, one, go. Là, 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 là. Vous n'êtes pas obligé de fléchir. Three, two, one, stop. Ok. On a fait le troisième bloc. Il reste le deuxième bloc, pardon. On va faire le troisième bloc avec le petit saut. Une jambe ou three, two, dynamique. One, on va commencer par la gauche. Allez. Sur la fin de l'exercice, on est un petit peu fatigué. Parfois, on oublie l'amplitude du mouvement. Donc, il faut bien se concentrer. On passe sur le rameur ici. Go. Allez. Maintenant, on va repousser ici sur le petit step ou sur un plan de travail ou sur une chaise. Voilà. 3, 2, 1, go. On descend et on remonte. 20 secondes, c'est plus facile. Stop. Ok, on va continuer par les petits pas. Je remets le chrono. Cette fois-ci, on va démarrer par l'autre jambe. Je vais démarrer par la gauche, vous démarrez par la gauche ou la droite. Et pareil, on donne du coup. 2, 1, go. Par le starfish. Hop. La place. Je vous rappelle, on a besoin que de 2 mètres carrés pour faire du sport à la maison. 2, 1, go. Allez. Et pas des moindres, le petit burpees. En fait, la hauteur ici, ça fait ça. Voilà, sur un plan de travail, three, une chaise. 2, 1, go. On fait ici. Se repose, on récupère. Ouh. On a entre 3 et 5 minutes de récupération.
Ne vous endormez pas sous le robinet. Vous voyez que la petite boisson, au départ à l'échauffement, elle n'est pas négligeable parce que c'est maintenant qu'on a besoin de boire. Donc si on n'a pas bu avant, ça peut être compliqué. Déshydratation, etc. Je vais baisser le son un petit peu de la machine infernale. Et je vais vous retrouver pour les petits commentaires, toujours, qui permet de réguler la séance à votre convenance. Hassan Jimili, Nini, Niku, Dick Johansson, from Sweden, Ines from Switzerland, Leila from Soleimanoulou, from France, welcome to everybody. Allez, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez parfois peut-être des difficultés, ou si vous souhaitez qu'on modifie un petit peu. Voilà, donc dans tous les cas, sur chaque tour, on va améliorer. Améliorer en fonction de vos retours surtout, et en fonction des retours que j'ai de la part du professeur. Et de Anne, de kinésithérapeute, qui nous suit sur la séance. Et donc c'est toujours sur leur contrôle que je mets en place ces séances et que je les fais pratiquer. C'est pas une simple séance de sport comme on voit beaucoup, ou une application sans aucun échange, sans aucun retour, sans aucune adaptation en live en tout cas, même si c'est très utile parfois. Donc là c'est complètement différent. Je vous rappelle aussi notre rendez-vous de mardi, 18h, où je vais parler globalement des bienfaits du sport. Et puis tous les mardis il y aura un rendez-vous sur une thématique, sur le sport au travail, sur le sport santé, sur l'éducation par le sport, sur le sport et l'emploi. Ce sont les quatre grandes thématiques qui suivront derrière les autres mardis, en espérant qu'on ne soit pas encore confiné. Mais si on n'est plus confiné, je serai quand même ici. La parole donnée vaut plus que des contrats. Voilà, bienvenue à Anne aussi, direction régionale de Bretagne, me semble-t-il, Jeunesse et Sport. Jeunesse et Sport. Alors le ministère a choisi des applications. Bon, c'était plus pratique que je pense. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est un moment privilégié en ce moment de faire du sport, d'évacuer aussi les tensions, de casser la routine, c'est hyper important. Et vous verrez que la journée n'est pas la même lorsqu'on a fait la séance de sport et quand on ne l'a pas faite. Donc c'est très important de s'obliger à le faire, même si c'est un peu difficile. Après, on a de l'enthousiasme, on a de l'innovation, on a de la confiance en soi qui permet de se préparer pour des projets à la sortie du confinement. Donc préparez vos projets, c'est ça qui va vous guider, vous porter pour la suite. Donc encore 1 minute 30 de récup. Moi, je vais commencer à régler à nouveau la machine infernale et on va faire cette fois-ci 15 secondes de travail. Voilà, je vous fais cadeau de 15 secondes de 5 secondes, excusez-moi. Voilà, et on va pouvoir redémarrer grâce au reset. Voilà, je remercie notre community manager, Adrien, technicien. La technique, c'est lui. Le son, c'est lui. Les commentaires, parfois, c'est lui. Vous l'avez reconnu pour certains. Par contre, Gilles, ça va pas du tout parce que je crois que tu n'utilises pas de step. C'est quelqu'un qui t'a vendu sur le réseau. Voilà, donc écoute, tu mets des chaussures, tu mets ce que tu veux, mais tu fais une petite marche où tu marches sur le dos de quelqu'un. On va redémarrer dans 30 secondes. Allez, on se prépare. Je vais mettre de la musique. Allez, ça va mettre
De la bonne humeur. J'entends notre community manager qui est hilar. Ça doit être la bonne ambiance du réseau. Alors, on va redémarrer, ça va aller très vite. 15 secondes de travail, 15 secondes de repos, on enchaîne tout. On va jusqu'au quatrième. On se retrouve à la fin du quatrième. Là, je vous dis plus rien. Du départ jusqu'à la fin des 12 exercices. Allez, on se motive. On travaille au mental. On travaille sur la fréquence. On adapte aussi en fonction de ses capacités, mais on donne tout. Attention. On commence à se mobiliser. 3, 2, 1, go. Allez, on met le maximum de fréquence. 3, 2, 1, stop. On enchaîne. Allez, on est déjà en place. Gainage, gainage. 3, 2, 1, go. On tourne bien le buste. J'avais dit que j'utilisais plus rien. 3, 2, 1, stop. Three, two, one, go.
3, 2, 1, stop. Dimanche 5 avril, 19e jour du confinement. Deux choses d'une, soit on lâche rien et on en fait un autre. Deux, cette fois-ci, 10 secondes de travail, 10 secondes de récup. Soit on lâche tout et on fait les étirements. Je vous attends sur la réponse. Alors, résultat, verdict du sondage, la grande majorité, c'est-à-dire 100%. On continue. On continue. Allez, on va pousser, on va rien lâcher. On va rien lâcher, maintenant on a les exercices dans la peau. Donc on enchaîne tout rapidement, 10 secondes, on est déjà en place pour le suivant. 10 secondes de travail, 10 secondes de repos. Pendant les 4 blocs, on ne s'arrête pas non-stop. Et j'en profite pour aménager mon petit chrono. On va faire 10-10. Un vrai challenge d'Aveyronnais, ça. Alors. Voilà. Attention. Three, two, one, go. But it's hard because I'm falling.
3, 2, 1, go. Qui vous attend maintenant. Je vous laisse vous désaltérer tranquillement. Je salue la présence du personnel médical et personnel soignant. Infirmière René, bonjour et bravo. Ghislaine, même chose. Sandrine, personnel soignant médical qui travaille à pied d'œuvre depuis le début du Covid. Donc encore une fois, je ne vais pas applaudir parce que ça se fait qu'à 8 heures. Mais vous, je vous applaudirai. Donc bravo à tout le corps médical, des aides-soignantes, aux femmes de ménage en passant par évidemment les chirurgiens, les professeurs, les gestionnaires d'établissement aussi, pour qui c'est pas facile. Donc bravo à toutes et à tous pour surtout les conditions dans lesquelles vous travaillez. Voilà, continuez et surtout préservez-vous, prenez soin de vous. Alors, on se réhydrate, on se prépare pour les étirements dans 2 minutes. Allez, en place pour les étirements.
place pour les étirements. Allez Mathias, Margot, Adrien, Ghislaine, René, Gilbert. Allez, toujours le même protocole, on y va. Three, two, one, stop. On arrive. Three, two, one, go. Two, one,
Stop. Three, two, one, go. Se calme. Voilà, donc une fois que la technique est maîtrisée, tout va mieux. Merci beaucoup de votre participation et surtout bravo mesdames qui ont suivi tout le programme, qui ont tenté en tout cas, avec une adaptation évidemment, et messieurs qui êtes présents, certes dans certains font partie de mes connaissances, j'arrivais pas à le dire, et voilà, donc je vous donne rendez-vous à lundi à 11h avec Stéphanie pour une séance de renforcement musculaire. Moi, je vous donne rendez-vous mardi à 18h pour une conférence sans la pratique sportive, évidemment, sur Facebook Sport Management System, où il sera question des bienfaits du sport de façon plus globale. Les mardis suivants, on va parler de sport en entreprise, de sport santé, de sport éducatif, mais aussi de sport emploi. Voilà, donc ce seront les thématiques qui vont suivre la session de mardi, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager, ça serait très sympa pour nous, et puis faire savoir ce qu'on fait, sachant que nous sommes des passionnés, évidemment, et puis des convaincus surtout, mais il faut convaincre ceux qui ne pratiquent pas, c'est ça le plus difficile, et pour ça il faut adapter évidemment chaque situation. Mercredi, donc à nouveau Stéphanie pour une super séance de yoga à 11h, et puis moi je vous retrouverai à midi, pour une séance de cross-training, comme on a l'habitude de le faire. Et puis vendredi à nouveau, je vous retrouverai à 11h pour une séance de... qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? C'était du gainage principalement, tous les vendredis. Gainage, mais assez intense. Et puis ensuite, mais à la portée de tous. Et ensuite, dimanche prochain, évidemment, une séance majoritairement à base de step. Voilà, très bon dimanche à toutes et à tous. Et puis moi, je vous retrouve mardi à 18h. Et Stéphanie vous retrouve lundi à 11h en live.